force des abysses et des ténèbres, venez à moi, créature de l'ombre. Impossible. Ça doit être un de vos tours. Non, ça ne peut pas être toi. Oh. C'est toi, la fille de mes rêves. Toi, tu ressembles comme deux gouttes d'eau au garçon que j'ai vu dans la forêt. Hein ? Matt! Vas-y, c'est le moment! Elle est sans défense! Tu peux la vaincre une fois pour toutes! Matt! Je ne vais tout de même pas briser le rêve que je poursuis depuis toujours. On ne peut pas lui faire confiance, parce que malgré tout, elle reste la reine. Oh. Non, je renonce. Je ne suis plus la reine. Je suis... Clochette. Quoi ? J'ai eu tort. J'ai été aveuglée par la jalousie. Je voyais les autres plus heureux que moi. Oui ! Et maintenant, tout ce qu'elle mérite, c'est une bonne punition! Ce que je ressens en ce moment, je ne l'ai pas ressenti depuis des années. Alors, désormais, je n'ai plus besoin de ma couronne. Ni de mes pouvoirs non plus. Quoi, alors c'est tout? Elle abandonne comme ça, sans se battre? Si Matt refuse de le faire, je le ferai moi-même. Clochette, je te condamne à... Ouah ! Arrête, Jim. Tu l'as vu, la reine a abandonné ses pouvoirs. Ce n'est même plus une fée, alors arrête, d'accord ? Elle n'est plus une menace pour personne. Elle ment ! C'est juste une ruse. Je vous dis qu'elle est dangereuse. Vous avez donc déjà oublié tout ce qu'elle vous a fait ? Oui, il a raison. Ma seule douleur ne peut pas justifier tout ce que je vous ai fait subir. Pitié, pardonnez-moi. De simples excuses, ça ne suffit pas. Si tu places ton amour pour elle avant le bien-être du pays imaginaire, tu ne mérites pas d'être notre héros. Je vous ai délivré de son règne maléfique. C'est la raison pour laquelle je me proclame tout nouveau roi du monde des rêves. Hein ? Oh ! Tu ne peux pas faire ça. Comment oses-tu? Jim! 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 Clochette a droit à une seconde chance, tu ne crois pas, Jim? Une seconde chance? Est-ce qu'elle m'a donné une seconde chance à moi quand elle m'a banni sur Terre, cet endroit répugnant? Oh, mais... Est-ce qu'elle a donné une seconde chance aux talents de WoW quand elle les a enlevés afin d'empêcher tous leurs rêves de se réaliser? Et surtout, est-ce qu'elle a laissé une seconde chance à cette île et à ses habitants quand ces créatures de l'ombre ont semé la terreur un peu partout? Oh, oh, Matt, ne l'écoute pas, je t'en prie. Je voulais le sauver, ce monde. Le monde que tu as failli détruire. Oh, non, Matt, écoute-moi. J'ai été aveuglée par ma douleur, une douleur qui a été causée par Peter Pan. Peter Pan? Oh, mais oui, Peter Pan, le père de Matt. Ah ! Quoi, c'est vrai? Non, c'est impossible. Un roi devrait montrer un peu de pitié. Laisse-la partir. Un roi doit surtout écouter son peuple.
Alors, tu vois, on ne peut pas dire que je ne suis pas un roi démocrate. Tu refuses de nous écouter, alors que nous sommes de ton côté. Je te rappelle que nous nous sommes précipités ici à chaque fois que vous étiez en danger. Des dangers qui avaient été causés par la reine. Oui, elle doit être condamnée. Ne vous approchez pas d'elle. Traîtresse. Vous aussi, vous finirez comme elle. Nous n'aurons pas de pitié pour les traîtres. Pas de pitié. Pas de pitié.